Cet exercice s'intéresse à une pompe à chaleur qui sert à chauffer l'intérieur d'une maison en hiver. Dans la première question, on rappelle le principe de la pompe à chaleur. Le fluide, en recevant un travail électrique, est donc compté positivement car entrant, réalise un transfert thermique non naturel depuis une source froide, ici l'extérieur de la maison, vers une source chaude, l'intérieur de la maison. QF, le transfert thermique provenant de la source froide est donc entrant par rapport au fluide et donc compté positivement. QC, le transfert thermique sortant du fluide, est donc compté négativement. Dans la deuxième question, pour estimer le flux thermique total perdu par la maison, il suffit d'additionner tous les flux thermiques perdus par la maison, soit 1790 watts. Or, pour maintenir la température constante dans la maison, la pompe à chaleur doit fournir un flux thermique qui compense exactement les pertes. Et donc, un flux thermique fourni égale en valeur à 1790 watts, mais négatif car c'est un flux sortant par rapport au fluide. Pour calculer la puissance électrique consommée par la pompe à chaleur, on exploite la définition du coefficient de performance, qui est le rapport du flux fourni par la PAC en valeur absolue, pour avoir un COP compté positivement sur la puissance électrique que l'on cherche et donc qu'on isole dans cette formule. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une puissance électrique de 577 watts. Cinquième question, on applique le principe de la thermodynamique au fluide. Or, au bout d'un nombre entier de cycles, l'énoncé nous dit que le fluide reprend la même température et donc une variation de température nulle. Or, d'après la formule pour un fluide incompressible comme le fluide, la variation d'énergie interne est proportionnelle à la variation de température. La variation d'énergie interne est donc que nulle, comme la variation de température. On en déduit donc que la somme des trois transferts d'énergie réalisés par le fluide est nulle. On réécrit ce premier principe de la thermodynamique en puissance, le travail électrique devenant la puissance électrique calculée auparavant et QC devenant le flux fourni par la PAC que nous avons calculé à la troisième question. On peut alors isoler le flux provenant de la source froide et on trouve un flux de 1213 watts. Pour estimer le coût d'une journée de chauffage, avec la pompe à chaleur, on évalue dans un premier temps la consommation électrique en 24 heures en multipliant la puissance électrique en watts par la durée en heures et on aura alors une énergie consommée en watt-heure, soit 13,8 kWh qu'on multiplie par le prix d'un kWh, soit 2,50 € pour le coût d'une journée de chauffage avec une pompe à chaleur. Coût à comparer avec celui réalisé avec de simples radiateurs dont le COP est égal à 1. La puissance électrique est égale cette fois-ci à 1,79 kW et donc une énergie consommée en 24 heures de 43 kWh et donc un coût de 7,70 €, 3,1 fois supérieur à celui d'une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur est donc 3,1 fois plus économique que l'utilisation de simples radiateurs.